Salut les amis, alors nous voici pour la suite de ce let's play sur EVE Online. On était donc en train de prendre une mission à cette très chère Delphine. On va donc lire ce qu'elle nous demande. Alors elle nous dit, le repère des serpents. Je vous avais dit que je vous aiderais si vous m'aidiez. Eh bien, la Serpentis Corporation vient de kidnapper un des plus éminents cerveaux de Créodrone, le docteur Aspasia Castille. Elle était en train d'analyser ces composants de drone que vous avez récupérés. Elle détient des informations capitales pour comprendre ce qui se passe avec les drones. Mais les Serpentistes ne vont pas la laisser partir sans rien faire. Ils projettent de l'emmener dans leur installation. Je veux que vous alliez là-bas en premier. Détruisez leur base et les vaisseaux qui la gardent avant que le vaisseau de transport n'arrive. La routine habituelle, quoi. Tuer ou se faire tuer, puis sauver un otage entre deux. On va accepter. Ils sont pas cool ces Serpentis quand même. Depuis le début du jeu, c'est eux qui nous font un peu la misère. Enfin, qui nous font la misère. On leur fait plus la misère qu'ils nous la font. Mais c'est eux qui cherchent un peu les ennuis depuis le début, quoi. On va voir s'ils sont peut-être améliorés. Peut-être des généraux plus durs à battre ou des meilleurs vaisseaux. On peut toujours espérer. Il m'attendait apparemment. Et bah c'est parti alors, si vous m'attendiez. J'arrive. Allez, tu seras le premier sur ma liste. À ton petit camarade. Allez, approche. Suivant. Comme elle la confesse, c'est chacun son tour. Hop. Il en reste un, je l'ai vu dans la liste. Oh, bah il y en a même deux encore. C'est parfait tout ça. Sauvé où le dernier, il est là.
chercher les canons. Oh, ben voilà des autres. Il n'y a rien à ramasser. On va pouvoir aller s'occuper de cela. Il y a des vaisseaux un petit peu plus gros apparemment. On va pouvoir s'amuser un petit peu plus. Oui, il y a du monde là. Il faut faire une belle petite fête déjà. Travailler à la chaîne, c'est de l'abattoir. Il va y avoir quelques soutes à faire. Je vois qu'il y a des soutes pleines qui traînent. À ton tour.
Voilà, c'est toi le chef. Ouais, t'es un peu plus résistant, mais ça devrait le faire quand même. Donc tu mérites pas ta place de chef. Voir le chef. Alors, les suites. Et des fragments de métaux, on prend. Bah, du coup, on va marrer. Propulseur de warp activé. Bah, y avait un peu plus de monde, ça fait plaisir, mais c'était pas plus dur que ça pour autant. Après, si ça continue à augmenter en nombre, n'empêche qu'il va falloir que je révise un peu mon vaisseau. Pour qu'il tue plus vite. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Récupération de données. J'apprécie votre efficacité, Vankara. Si vous voulez que je vous confie une autre mission, j'ai d'autres informations sur l'endroit où se trouve Aspalia Castille. Récupération de données. Je suis contente que vous m'ayez contacté, Vankara. Depuis que vous avez détruit la station de recherche Serpentis, le vaisseau de transport a fait route vers une autre destination pour effectuer le transfert. Bien que nous ayons pu l'intercepter, les deux vaisseaux ont été détruits au cours de l'engagement. Nous pensons toutefois que la banque de données doit toujours contenir les notes du docteur Castille. Votre mission consiste à vous rendre à Arriget, à trouver la banque de données et à me la ramener. Faites attention, nos renseignements indiquent que le vaisseau était dirigé par le Guardian Angel, dans le cadre de leur accord de protection avec les Serpentis Corporation. Je suis persuadé qu'ils enverront un vaisseau pour inspecter l'épave et voir ce qui peut en être récupéré. Ils vont chercher un moyen de récupérer au moins une partie de leur perte, protégée par le Guardian Angel. Avec un nom comme ça, ça va être un petit peu plus de sport, j'espère. Parce que sinon, il mérite clairement pas son nom. On va aller voir si ce Guardian Angel est si fort que ça. Propulseur de warp activé.
Brut Gesti. Ok. Eh ben écoute, mon petit, on va commencer par toi. Ah, t'es un peu loin apparemment. Ben, on va commencer par l'Empaleur Gesti. Ça change. Avant c'était des Serpentis, maintenant c'est des Gesti. Ils sont peut-être un peu plus forts. On espère d'ailleurs qu'ils soient plus forts. J'espérais que le réparateur y suive. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Diriger dans le bon sens, ça peut être mieux. Un des modules, la peau de charge. Notre petit feu d'artifice personnel, c'est sympa.
frappe à leur vaisseau. C'est une espèce de trident. Enfin, vu de face, ça faisait une espèce de trident à la Poséidon, c'était sympa. Mais bon, ils sont toujours pas assez forts. On fait un petit peu peur au début quand ils sont arrivés en nombre, mais ça a été finalement. Moi, je l'ai pas vu, on n'est pas tombé sur le Guardian Engine qui devait être là, à part là des autres. En voilà des autres, il sera peut-être dedans. Erreur avancée, Angel. Ah bah c'est peut-être lui. Massif que les autres quand même, mais je pense qu'il aura le même sort que les autres. Un petit voyou. Je suis assez fier de ma petite navette. Hein. Elle paye pas de mine, mais elle est vachement bien équilibrée au niveau des armes et puis de l'énergie qu'elle consomme. Jusque maintenant, on n'a pas rencontré de grosses difficultés contre les ennemis. Donc moi, ça me va. On va faire les soutes intéressantes. Enfin, celles qui contiennent quelque chose, c'est intéressant, on saura une fois qu'on sera dessus.
Propulseur de warp activé. Bon, c'était un peu plus de sport parce qu'il y avait un peu plus de monde comme celle d'avant. Enfin, même encore un peu plus que celle d'avant d'ailleurs. Mais ça a été. Même le Guardian Angel n'a pas fait long feu. Il a résisté un peu plus longtemps que les autres, mais on l'a eu quand même. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Alors, ma très chère Delphine, voici le module que vous vouliez. Franchir les lignes ennemies. Je suis heureuse de vous voir revenir en un seul morceau. Il est maintenant temps que vous décidiez si vous me faites confiance. J'ai une dernière mission à vous confier, mais elle est risquée pour nous deux. Ah, enfin un peu de risque? Alors bien sûr que j'accepte. Alors, franchir les lignes ennemies. La banque de données que vous avez récupérée s'est révélée intéressante. Avant d'être enlevée, le docteur Castille avait trouvé plusieurs bizarreries dans les composants des drones. Pour être sincère, cela suscite plus de questions que de réponses au sein du personnel de Créadrone. En signe de confiance, je vais partager certaines de ces informations avec vous. Nos drones sont corrompus par un autre type de drone. Je veux que vous alliez porter certaines informations à l'un de mes amis dans l'espace Kaldar. Ils ont également eu des problèmes de drones récemment et ces données pourraient l'aider lui et son peuple. Mais vous devez rester discret. Notre amitié n'est pas exactement quelque chose que nous affichons en public, pas avec nos deux empires qui s'affrontent. Si vous êtes d'accord, je veillerai à ce que l'information soit bien dissimulée à bord de votre vaisseau. Vous ne vous apercevrez même pas qu'elle est à bord. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller parler à Imuri Asaka et il s'occupera du reste. Peut-être prendre ma destination, ça peut aider. Localisation de l'agent. Définir destination. Voilà. Et c'est parti. Propulseur de warp activé. On est qu'en zone libre normalement, on ne devrait pas rencontrer de pirates. Même si j'avoue que ça me dérangerait pas, ça ferait un peu d'action. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Bon les amis, j'ai bien sûr coupé toutes les séquences de saut de porte, hein, parce que je pense pas que ce soit intéressant pour vous de voir un vaisseau sauter de porte en porte. Surtout qu'on a vraiment fait que ça, on n'a même pas été attaqué ni rien, sinon je vous aurais laissé les combats bien sûr. Alors, mon très cher Imuri Asaka. J'ai Delphine qui m'a demandé de t'amener quelque chose. Qu'est-ce que tu me dis ?
observation passive. Nous avons rencontré le même problème de drone que celui décrit par Xarazier. Nous sommes parvenus à contenir les drones contaminés à l'intérieur d'une poche Deep Space. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Je veux que vous alliez évaluer personnellement la situation. J'ai essayé d'obtenir de nouvelles informations de ma collègue sur le terrain, mais apparemment elle rencontre des difficultés pour obtenir l'autorisation de communiquer avec l'extérieur. Allez sur place et assurez-vous que les drones sont toujours bien contenus. Si ce n'est pas le cas, revenez me le dire. N'entrez dans aucune confrontation avec les forces de sécurité qui essayent de contenir les drones. Est-ce bien clair ? Oui, t'inquiète. Tout en douceur, comme d'habitude. On va aller voir ça, va. Alors, warp est vers l'emplacement. Propulseur de warp activé. Alors, vous devez activer le portail d'accélération. Activez le portail. Propulseur de warp activé. Devait approcher astéroïde creux. Alors on m'a dit de ne pas tirer. Je vous avoue que c'est vachement tentant quand même parce qu'il y a plein de petits points rouges. J'ai bien envie de leur tirer dessus. Mais j'ai peur que ça fasse échouer la mission en fait. Donc on va essayer de rester sage. Mettre à jour. Au sortir du warp, il devient évident que la personne qui s'occupe de la sécurité ne sait pas s'y prendre face à des drones. Les cuirassés patrouillent à proximité de la nuée de drones sans se douter de leur vulnérabilité en l'absence de vaisseaux plus petits pour les soutenir. Ok, c'était juste une mission de reconnaissance. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Alors mon petit Asaka. Maison des archives, c'est ce que je craignais. Merci pour votre rapport, Vankara. J'aurai encore besoin de vous dans un instant, si vous êtes toujours disponible. Eh ben, on sera disponible, mon cher Imuri, mais au prochain épisode.
Donc sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous l'aurez regardé. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.